Du Collab, c'est une initiative qu'on a lancée il y a plus de 8 ans maintenant. On a ouvert le premier hub le 10-10-10, donc le 10 octobre 2010. C'est d'ailleurs un des premiers espaces d'innovation entrepreneuriale quasiment en Afrique. Joko en Wolof, c'est la communication, c'est le lien, la connexion. Et en fait, Joko Lab est un espace qui, au-delà de stimuler la créativité et favoriser la collaboration entre les acteurs, qui n'échangent pas, qui sont plutôt en silo, donc des acteurs du développement, on va trouver les ONG, on va trouver les agences de développement, on va trouver des banques de développement. De l'autre côté, on va trouver des banques privées, on va trouver des secteurs privés, on va trouver des entrepreneurs. Donc, tous ces acteurs, en fait, ne communiquent pas, les ONG, enfin. Et voire même maintenant des acteurs qui sont hybrides, hein, puisqu'on a les entrepreneurs sociaux qui utilisent les ressorts du secteur privé pour avoir un impact social. C'est d'ailleurs dans cette mouvance-là qu'on s'inscrit. Chocolat, on pourrait dire que c'est trois niveaux. C'est d'abord cette infrastructure qu'on met à disposition d'entrepreneurs pour qu'ils viennent et qu'ils se réalisent. Au-delà de ça, ça va être des communautés auxquelles on va donner aussi la capacité d'accéder, mais qu'on va aller chercher, qu'on va essayer de soutenir, aussi bien dans les technologies que d'autres. Hein. On a même accompagné les communautés dans le yoga. Et en troisième ressort, on va voir ce que nous on appelle l'action tank. C'est que là, c'est les équipes qui regardent, qui sentent des projets ou qu'on leur remonte des projets ou c'est en discutant avec des communautés. On identifie des projets et là, avec des partenaires financiers, on va chercher à monter ces projets. L'innovation se nourrit de la diversité, donc on encourage en fait, nous, la diversité. Alors, on a une forte appétence pour les technologies, mais en fait, c'est plus parce que la nouvelle économie est portée par le numérique et les technologies. C'est un des moteurs du monde qui est en train de se façonner et donc il faut la maîtriser. Mais on est ouvert à tout. On a un projet Joko Food sur l'agriculture et transformation des produits locaux, d'ailleurs sur lequel on a eu l'accompagnement de ADA et d'autres projets. Donc on s'ouvre vraiment à tout type d'entrepreneuriat, parce que la vraie question c'est vraiment ça. C'est plus comment on va accompagner des entrepreneurs, idéalement même d'ailleurs des petits entrepreneurs, pour les amener à leur croissance. L'entrepreneuriat, pour moi, est un mouvement assez jeune sur le continent. Peut-être début des années 90, voire même années 90. Et de ce fait, finalement, les entrepreneurs ne sont pas forcément encouragés parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'entrepreneurs autour d'eux. Les familles vont plutôt encourager à aller trouver un travail et autres, alors qu'il n'y en a pas. Si on prend le Sénégal, on nous parle de à peu près 300 à 500 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Pour une offre estimée à 30 000. Donc on voit bien le gap qu'il y a. On a à peu près 10% qui vont trouver un travail, dans le meilleur des cas. Donc il y a un besoin de pouvoir. Alors tout le monde ne deviendra pas entrepreneur, on le sait. Mais déjà, ceux qui ont la possibilité, et donc à travers ce chemin aussi, vont créer des emplois, parce qu'en fait, pour créer une entreprise qui va créer des emplois, il faut des entrepreneurs. En fait. Et malheureusement, le système scolaire formait des managers, mais pas des entrepreneurs, ce qui est complètement différent dans l'approche. Et il y a ce fameux proverbe africain qu'on répète à satiété, où on dit « celui qui veut aller vite, il va tout seul, et s'il veut aller loin, il va avec les autres ». C'est pas facile de créer, pouvoir se mouvoir dans un corpus légal qui n'est pas facile, que ce soit au niveau social ou fiscal, il n'y a aucune facilité qui est faite. On démarre avec un boulet au pied et donc il n'y a aucune facilité pour un jeune qui démarre son entreprise. Le financement est un sujet, bien évidemment, et donc l'accès au financement qui est vraiment compliqué. Tout le monde réfléchit à monter des clubs d'investissement, des business angels, donc sur cette toute petite partie de l'amorçage du projet qui est vraiment compliqué. Donc l'élan de départ dans ce qu'on appelle la vallée de la mort au début du projet, il n'est pas là.
Et donc on a beaucoup de morts. Au Sénégal, ils ont évalué à un moment donné, 60% des entreprises disparaissaient après la première année. Donc c'est phénoménal. Surtout quand on voit qu'on a quand même une jeunesse qui, contrairement à ce qui peut être véhiculé, a envie de faire des choses. Nous, ça fait 8 ans qu'on les côtoie, donc on voit bien. Il y a une créativité qui est là, il y a une énergie en tout cas qui demande qu'à être mobilisée. Je pense qu'on ne leur fait pas assez confiance. Et ça, c'est vrai que des fois, on peut le voir aussi en Europe. Et donc, il faut l'encourager et l'accompagner. Donc, c'est un peu ce qu'on veut faire avec des lieux comme Diocolam. On a une dimension d'espace d'apprentissage, finalement, avec ces communautés apprenantes, mais aussi d'accompagnement et de lien social pour qu'il y ait une cassure qui se fait entre le jeune et la société, mais qu'il y ait plutôt. Ils sont en train de devenir un moteur et à s'autonomiser, à prendre conscience de la capacité qu'il a à créer en fait, et à réaliser des opportunités.